Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je viens vous faire une petite vidéo pour vous présenter quelques produits de la gamme et puis aussi pour vous dire que les soldes sont prolongés jusqu'au 2 mars. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc profitez-en. Par contre, attention parce qu'il y a plein de produits qui sont en rupture de stock. Forcément, vu les prix, c'est intéressant puisque les soldes vont de 5% environ jusqu'à 70% sur certains produits. Donc n'hésitez pas à me demander avant si vous voulez faire une commande, si le produit est toujours en stock. Je voulais également vous parler de la promo des bracelets qui est toujours en cours. Pour deux bracelets achetés, vous avez 10 euros sur votre prochaine commande. Et ça, c'est valable jusqu'au 20 février. Donc ça se termine bientôt. Il vous reste plus que quelques jours. Et du coup, j'en profite pour vous présenter les bracelets que vous connaissez déjà de la gamme Essentielle. Mais je voulais, voilà, ce soir vous en présenter quelques-uns que moi j'ai, que je porte, alors pas tous en même temps, hein, mais régulièrement. Alors le premier, c'est l'améthyste. Donc ça, c'est un de mes premiers bracelets. Donc l'améthyste qui est violette. Donc l'améthyste, elle est bien pour tout ce qui est angoisse, stress. Elle apaise, elle dissipe les peurs et elle aide aussi au sommeil. Donc ça c'est le bracelet améthyste. Ensuite j'ai le bracelet fluorite. Alors celui-là c'est un de mes chouchous, je l'adore, je le trouve super joli. En fait la fluorite elle a plusieurs couleurs. Ça va du violet au vert transparent. Enfin voilà, il est super joli. Et donc ça, la fluorite pour la détente, la relaxation, aide à la concentration aussi. Donc la fluorite. Ensuite l'agate mousse. Donc, qui est verte, pareil avec des nuances de vert, hein. Donc elle est de foncé à clair, donc il est aussi très joli. Donc l'agate mousse qui est pour la confiance en soi, qui aide à la communication avec les autres, qui agit aussi pour tout ce qui est angoisse et stress. Ensuite, on a le grenat. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien voir, en fait, il y a des teintes de. C'est bordeaux. Alors avec la lumière, c'est pas évident à voir, mais. Donc le grenat. Et donc le grenat, c'est une pierre donc, qui est énergisante, hein, qui donne du courage, de la force, de la motivation et qui réduit le stress également. Ensuite, alors ceux que j'avais aujourd'hui sur moi, parce que forcément ils sont assortis à mon top d'aujourd'hui. oui, parce que j'explique quand même, enfin, c'est ce que je dis souvent, hein, les pierres, on ne les porte pas au hasard. Moi, j'aime bien les assortir avec mes vêtements, mais si aujourd'hui, par exemple, j'ai choisi de mettre cette couleur, c'est que c'était selon mon humeur du jour. Donc forcément, les pierres correspondent également. Voilà, donc c'est... voilà, on porte les pierres qui nous attirent, on porte les vêtements qui nous attirent le matin. Enfin voilà, donc c'est pas anodin. Donc là aujourd'hui, donc j'avais l'œil de tigre, donc qui est surtout pour la protection. J'avais également donc le cristal de roche. Donc lui, le cristal de roche, en fait, il clarifie les idées et donc c'est une petite pierre transparente, hein. Et moi j'aime bien le porter ben, tout le temps finalement avec les autres bracelets. Le cristal de roche amplifie les actions des autres pierres. Donc du coup, c'est bien de le porter en double avec d'autres bracelets. Et puis donc j'avais mon petit dernier, donc celui-ci c'est la jaspe mokaïte. Je le trouve super joli. Donc c'est pareil, c'est une pierre avec des nuances de jaune, de rouge. Il est juste magnifique. Et donc la jaspe mokaïte, en fait, elle équilibre les énergies, donne de la sérénité et agit aussi sur tout ce qui est estime de soi. Voilà. Donc voilà, je commence à en avoir pas mal, hein, des petits bracelets. Donc c'est bien parce que je peux les assortir aussi avec mes tenues. Donc c'est plutôt sympa. Là, j'en ai d'autres, quelques-uns que j'ai aussi en stock à la maison. Donc n'hésitez pas à me demander. Donc là, il y a la promotion. Donc profitez de la promotion de acheter 10 euros offerts sur votre prochaine commande. Donc là, il y a la jaspe rouge. Alors là, il sort un peu orange hein, sur la vidéo. Il n'est pas orange, il est rouge orangé. Et donc la jaspe rouge, c'est pour tout ce qui est donc fatigue nerveuse, donne de l'énergie, de la confiance en soi et de la sécurité. Voilà pour la jaspe rouge.
Et puis là, j'ai un autre fluorite, mais que je vous ai déjà présenté, un agate mousse. Et puis alors, j'en ai un autre ici qui ne fait pas partie de la gamme des essentiels. Donc celui-ci, il est très joli aussi. Donc ça, c'est le bracelet Harmonie. Il s'appelle comme ça, c'est son petit nom, hein. Et donc, il est en amazonite. Et lui, c'est surtout pour tout ce qui est anxiété. Voilà, anxiété, apaisement. Il est très joli aussi. Voilà pour les bracelets. Je pense avoir fait le tour. Je voulais vous présenter aussi, ah oui, la bague fleur de lotus. Donc ça, c'est la dernière que j'ai achetée. Elle est super jolie. Je ne sais pas si on voit bien. Non, on voit pas bien la caméra. Je suis désolée, ça passe pas bien. L'avantage, c'est qu'elle est réglable pour tous les doigts. Donc elle est grosse. Pour ceux qui aiment les grosses bagues, c'est plutôt sympa. Et donc la fleur de lotus, la fleur de vie, par contre, pardon, c'est tout ce qui agit sur vitalité, énergie, dissout les blocages. Donc, ça, voilà. Je ne sais pas si on la voit mieux comme ça au doigt. Voilà. Je voulais vous présenter le tapis fleur de vie aussi. Ça, c'est vraiment ce que je voulais aussi vous présenter ce soir, parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Donc voilà, c'est un petit tapis en tissu, hein, ça fait un peu comme du lin, donc avec la fleur de vie. Et ça, c'est parfait pour justement purifier et recharger vos bracelets. Donc pour tous ceux qui m'ont commandé des bracelets, c'est génial parce qu'en fait, le soir, vous déposez vos bracelets dessus. Alors faites bien attention, hein, que ça rentre dans le cercle à l'intérieur, faut pas que ça dépasse du cercle. Mais du coup, vous déposez vos bracelets dessus, ça va les purifier, les recharger, vous les reprenez le lendemain et hop, c'est reparti. L'idéal, c'est de les laisser quelques heures, mais bon, après, si on les enlève pour dormir, du coup, on les laisse pour la nuit dessus. Donc ça, c'est top. En plus, il est en solde, il n'est pas très cher, je ne sais plus son prix exact, je crois qu'il est dans les 16 euros, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour recharger les pierres. Parce que c'est pas que les bracelets, je vous dis les bracelets, mais ça marche aussi pour toutes les pierres. Voilà, je vous parle de quelques autres produits que j'ai dont je ne vous ai pas encore parlé mais que j'aime beaucoup. Alors le premier c'est celui-ci. Donc ça c'est de la poudre aspirateur. Donc moi là je l'ai pris au cèdre. Il existe aussi à la lavande mais je préfère cette odeur-là. J'adore. Ça sent super bon. Donc poudre aspirateur, qu'est-ce que c'est? En fait, souvent les aspirateurs, alors soit c'est un sac, soit c'est un bac qu'on vide, mais c'est vrai que souvent ça a une odeur, enfin la poussière, tout ce qu'on ramasse dedans, ça pue, voilà. Donc des fois l'aspirateur peut dégager aussi une mauvaise odeur. Donc la poudre aspirateur, en fait, on la verse comme ça sur le sol, et quand on va passer l'aspirateur, on va aspirer donc la poudre qui va rentrer dans le sac à aspirateur ou dans le contenant. Et du coup, quand vous passez l'aspirateur, ça sent bon. Ça sent super bon. Ça, c'est au cèdre. Franchement, j'adore. Moi, du coup, je m'en passe plus. J'utilise ça à chaque fois que je passe mon aspirateur. J'en mets un petit peu par terre. Et du coup, ça dégage une super odeur. Donc voilà, c'est pas très cher non plus. Je sais plus les prix exacts, mais voilà, super produit. Je vous parle aussi donc du lait corporel argan bio. Donc ça, c'est un lait pour le corps. On a toute une gamme aussi. Donc on a du savon, on a des exfoliants. Donc toute une gamme de produits bio pour le corps et le visage. C'est des super beaux produits. Tout est bio. Là, par exemple, dedans, il y a de l'huile d'argan bio, beurre de karité bio, huile de nigel bio et rose musquée bio et jojoba. Franchement, c'est un super produit. Si vous avez un peu la peau sèche, ça hydrate. Alors, ils mettent réparateur, protecteur, régénérant et nourrissant. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir notre gamme produits pour le corps. Ils sont top. Tant que je suis sur le corps, je vous parle aussi d'une petite recette. Alors, ça, c'est une recette qu'on peut réaliser éventuellement en atelier si ça vous tente. Avant l'été, là par exemple, donc moi j'ai commandé plusieurs huiles essentielles. Donc là j'en ai quatre. Il faut également une huile végétale. Et avec ça, je vais faire
une recette huile anti-cellulite pour le corps. Donc juste avant l'été, c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire mes petits mélanges. Je ne les ai pas encore faits, mais quand je les aurai faits, je vous montrerai. Et voilà. Donc c'est une petite recette anti-cellulite avant l'été. Et je vous dirai si ça fonctionne avant l'été. Donc voilà. Et je peux la proposer en atelier si ça vous tente. On peut faire d'autres recettes, hein. Là, c'est la recette anti-cellulite, mais on peut aussi partir sur une recette, par exemple, en ce moment, ça peut être pour tout ce qui est des bouches nez, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer plein de choses, en fait. Il suffit qu'on voit ensemble, qu'on échange, et puis vous me dites ce qui vous intéresse, par exemple, et on essaye de voir ce qu'on peut proposer. Justement, en parlant des bouche-nez, je voulais vous présenter ce petit accessoire. C'est un inhalateur. Alors, vous voyez son format, il est top. À l'intérieur, donc, on a le petit masque. Donc, on met de l'eau, des huiles essentielles. On met le petit masque dessus et hop, on fait ces petites inhalations. Donc ça, c'est top. C'est format voyage. On peut le transporter où on veut et c'est hyper pratique et c'est efficace. Voilà. Donc ça, c'est un super produit qui n'est pas très cher non plus. Donc profitez-en là pendant les soldes, c'est intéressant. C'est l'inhalateur nomade, il s'appelle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous reparle aussi des cadeaux. Je ne sais pas si vous avez vu, on n'a plus de bagues du Lotus. En fait, elles ont eu un tel succès qu'il n'y en a plus en stock. On est en rupture. Ça, c'était le cadeau du mois de janvier-février qu'on avait sur toute commande qu'on passait en commande groupée ou en atelier ou en réunion. Là, il n'y en a plus. Donc, les cadeaux que je vous propose pour les commandes, donc il y a le gant démaquillant, il y a le petit porte-savon en bois, comme ça, en bambou. Ensuite, on a le gant, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le gant exfoliant, je crois, qui gratte un petit peu. À l'intérieur, on peut mettre un savon ou des petits restes de savon, on le ferme et du coup, ça exfolie en même temps. Et puis le quatrième, c'est le porte-masque 3D. Donc en fait, l'idée, c'est de le mettre au niveau du visage et on met le masque par-dessus. Du coup, le masque n'est pas collé au niveau du nez et de la bouche et ça permet de mieux respirer. Donc ça, c'est les quatre cadeaux qu'on vous propose pour toute commande groupée. Sachez que moi, je vais en passer une, je pense, d'ici une semaine ou deux en fonction de vos commandes. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, comme vous voulez, en message privé. Si vous voulez des renseignements, des informations, si vous avez envie de fixer un atelier ou une réunion, sachez que pour les ateliers, on peut proposer atelier lithothérapie. Ça peut être un atelier où je vais vous parler des pierres, comment les purifier, comment les recharger. Je vais vous en présenter un maximum. Je peux aussi vous proposer une petite méditation, par exemple, avec les pierres. Je peux vous proposer un atelier aromathérapie en faisant une petite recette, par exemple, d'huile anti-cellulite ou des bouche-nez ou ce que vous voulez. On peut faire simplement une réunion où je vous présente tous les produits qui existent. Alors, tous, je ne les aurai pas avec moi, mais en tout cas, voilà, ça nous permettra de discuter et d'échanger. Voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, si on fait ce genre d'atelier ou de réunion, bien sûr, c'est dans le respect des gestes barrières avec le masque, gel hydroalcoolique, en essayant aussi d'avoir les distances les unes entre les autres. Enfin voilà. Donc surtout, n'hésitez pas, on essaye de se caler ça. Et puis voilà pour moi ce soir. Du coup, je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt.